Enseigner en pédagogie Freinet, c'est considérer l'élève vraiment comme un partenaire à part entière. C'est-à-dire qu'à partir de ses créations, que ce soit en français, en maths, en art plastique, les présentations qu'il fait aux autres, on travaille les notions français, maths dans la classe. Au moment où souvent on veut nous imposer parfois des méthodes toutes faites, garder sa liberté pédagogique, c'est tout à fait possible en respectant les programmes, puisque on demande aux élèves d'écrire des textes et à partir de ce qu'ils écrivent, on va repérer telle notion de français comme je sais pas, le futur par exemple, et avec le groupe classe, c'est une notion qu'on va travailler ensemble. Comme ça les élèves, ça donne du sens aux apprentissages, les élèves sont vraiment acteurs et engagés dans des projets, et ça résout souvent aussi beaucoup de soucis de comportement, parce qu'on est tous au travail et les perturbations sont moindres. À Mont-Saint-Barol, dans le Nord, nous avons la chance d'être une équipe, d'être un collectif de travail. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet de mettre en commun nos outils, c'est-à-dire que de la maternelle jusqu'à jusqu'au CM2, il y a les mêmes pratiques de quoi neuf, de création de français, de art plastique. Et puis dès qu'il y a une interrogation, on peut en parler ensemble. On a des réunions chaque semaine hein, d'équipe pour l'organisation matérielle, mais aussi pédagogique. Et c'est une école qui est en pédagogie Freinet depuis 2001 et qui a des résultats vraiment très intéressants, où les élèves progressent. Et quand ils arrivent au collège, ils s'adaptent au collège, hein, qui a un fonctionnement différent, mais ils réussissent.